Allez, c'est parti. Ça va le faire? On verra ce que ça donne. Ce serait marrant. Tu pourrais me montrer? Ah, bien sûr. Ouais. Merci. J'ai bien fait du matos? du matos. Bah, faut créer un nouveau sac. Ok. Ouais, je vais voir ça. Salut! Elle est où, dame poisson, dame paillot? Ah oui. Là, je sais pas ce que je fais, j'arrive sur une autre couche grise. Mais... chiant. Je sais pas ce qu'elles veulent. D'accord, c'est pour le mieux. Oui. Tu touches pas les pierres, tu touches pas le mortier, juste que je gratouille la terre. Tu gratouilles pour enlever la terre, ouais. Tu fais propre. Faut que tu le fasses de l'autre côté aussi ou pas? Je pense pour ça. Donne toi pas ici parce que je vais t'envoyer des dégâts. Ok. Et ouais, puis moi je vais t'en envoyer, c'est pour ça aussi. Petit conseil, si je peux me permettre. Commence par faire propre en haut là. Et ouais, sinon ça va rigoler tôt ou tard sur ton truc, tu vas te flinguer. Et en plus, comme ça, c'est fait, même si tu repasses un tout petit coup de balai à la fin pour faire briller les pierres, bah en gros, t'auras enlevé le plus gros. Mais c'est vrai, en plus, faut passer le petit coup de balai pour les faire briller. Comme ça, elles ont l'impression que c'est encore plus propre, alors que c'est faux. Ça marche bien. Merci, j'ai bien. Enfin, c'est de respirer. Respire! J'imagine qu'il n'y a pas d'US encore. Ou... Je sais pas, peut-être pas. On le pose quelque part et puis on attend, quoi. Ça marche. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est bien gris, hein? Écoute, si tu le dis. Bah là. Oui, c'est vrai. Non, mais j'avoue, j'ai du mal à voir avec l'humidité. Mais. Bah, blanc, gris. Gris, c'est un peu argileux. Ouais. Et ça, mais je sais pas si c'est la même ou pas, mais pour moi, c'est un peu en dessous, quoi. Ouais, et je sais pas s'il faut la dégager ou pas, cette croûte infâme. Moi, je la dégagerais, mais bon. J'ai tendance à être trop bourrin, donc... Ça a l'air gris aussi, non? Tu vois pas Sandy?
Sandy, je l'ai vu il y a 10 minutes. Si tu veux partir à la recherche de Sandy Ouais. ou de Elsa ou de... Plus de Sandy et Elsa. Tu as ta préférence, c'est ça? Non, mais pas faire chier Anne avec juste mes pauvres questions alors qu'elle m'a déjà dit quoi faire. Nettoie les terres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terre. Détour vite fait. Tu veux que je vienne voir? Ce que je veux dire, c'est pas grave si je creuse un peu autour des pierres, du moment qu'il n'y a pas de mortier. Je veux pas faire des trous, mais. Comment? Là, tu veux dire? Ouais. Où tu creuses? Bah, tu enlèves le plus gros, mais creuse pas entre les pierres trop, parce que sinon ça va s'effriter. Passe un petit coup de balai si tu penses que. Vas-y, pchit, pchit, pchit. Voilà. Investi aussi dans l'Algeco, il y a un petit pinceau et une cuillère, ça sauve la vie. Voilà, stop, parce qu'après sinon tu vas surcreuser et tu continues de gratouiller autour pour mais pas à l'endroit où t'étais. Voilà. Et après, comme ça c'est très beau, c'est détouré, c'est beau, hein. Non, non, on est bien d'accord. C'est moche, c'est un mur. C'est gros, c'est gras, c'est velu, comme ma grand-mère. Ouais, bah c'est super, c'est exactement ça. Et tu passes des petits coups de balai pour éviter que. Voilà, c'est tout. Chercher le petit balai, je vais peut-être une étagère, désolée. Bon, tu peux. Tu peux, tu peux. Dégage, dégage, c'est pas pour toi. Je sais, c'est frais, casse-toi. Oui, monsieur JB. Ouais, je Avec sais la pas petite pour. GoPro. Ouais, hein. Oui, je Je t'écoute. sais pas si je m'arrête. Oh, toi aussi, tu transpires. Je sais pas si je. J'ai mouillé, moi, ma casquette. Je sais pas, ça me paraît pas être la même, ça, en fait, mais. Bah, là, je pense que t'es sur la grise. Et ça, tout le monde Et me disait ça, que c'était non. la grise, mais c'est pas la grise, en fait. Bah, du coup, manifestement, il doit te rester un petit peu de. Bah, le truc, c'est que là, t'as un machin qui est vachement sec, et là, t'es. Ouais, aussi, oui, ça Mais, je vais. bon, là, c'est pas la grise. Non, non, ça je vais le taire, mais ouais. Voilà, donc je pense que tu vas rapidement la voir, mais qu'il doit te rester un petit peu. Parce que tout le monde me disait c'est farineux machin, mais non, c'est pas du tout Non, farineux, enfin. c'est de la merde, c'est du caillouti et ça va Oui, dégager. mais ça, c'est la grise. Ok, donc on la dégage. Ok, bah, je vais me mettre à ce niveau-là alors, Voilà, mais. tout à fait. Non, désolé, mais le Mais temps que je percute, quelle couche. nickel. Et je vais jusqu'où au niveau de la fondation où je laisse la merde là qui traîne Non, tu au-dessus. peux enlever un petit peu, gratter un petit peu, et puis Solène, elle fera aussi un petit peu là. Ok, je m'arrête à ce niveau-là, quoi. Oh, bah viens, Même viens, avant viens plus. ici. Ok, jusqu'aux fondations, ok. Ça marche. Ouais. Ok. Merci, Madame Bah, Payot. viens. Voilà. Tout à l'heure, Madame Payot. Eh ben en fait, faut aller jusqu'à la tranchée de fondation et on s'arrête sur le gros gris bien sale là. Tu peux me donner la pioche? La pioche? Ouais. Merci, je vais. Ouais. Attention à toi. Je suis désolé, je vais juste mettre un ou deux coups là. Si tu veux qu'une chose? Bah, je suis jamais très serein, on sait jamais que la pioche est.
Donc voilà, on va déjà. Je crois que tu peux oublier la rasette, il y a des caillasses. Ok. Alors. Ouais, peut-être un saut de caillasse, puis après tu me le fileras, je vais le montrer. Alors, bon bah on n'était pas dessus. Hein. Merci très cher. Donnez avec délicatesse. Exactement. Bon, c'est bon, ça pourrait être pire, hein. Vas-y, tente un coup de rasette, moi. Oh. Va pouvoir remonter le vase. Inch'Allah. Mmh. Inch'Allah. Pardon, je vais essayer de voir. Vas-y, pose. C'est quoi ça? Non, c'est un caillou. Vas-y. Et un petit clou là. C'est tamisé. Et un os. Et donc. Ouh là là, quelle expo, on commence à voir le matériel. Un bout d'omoplate. Ou de... Ah non, c'est un fond de vase. Trop bien. Stylé. Tchadou. Je l'ai coupé en deux. C'est du verre ou du scorie ou je sais pas. Dans le doute, c'est joli, on va le garder. On le verra au lavage. Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais c'est très beau. C'est une pierre décorative, non? Peut-être. Je sais plus trop. On verra. Là aussi. Ouais. Si tu kiffes tamiser, vas-y. Je déteste tamiser. Mais t'aimes bien ou pas? Ouais, ça va. Ah oh bah alors je enfin, te laisse te faire. Pas toute la journée, mais. Ah non, 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 mais. Un peu comme ça, t'entends. Si tu veux te faire plaisir. Tu le sac qui est par là. Merci, Morgue. De rien, j'ai hâte. Oh, je trouve que ça te va bien, Morgue. Oh. Comme ouais, ça que j'appelle toutes mes potes Morgane. C'est gentil. Ah bah regarde là, c'est pas gris ça? Eh bah si, c'est gris. Peut-être aller trop profond même, non? Non, ça va. Et on m'avait dit d'aller jusque là. Peut-être pas.
Devant, il est devant l'Algeco, je pense. Je l'ai sorti. Ah, c'est là. En tout cas, sûr, je l'ai sorti. Bon, t'inquiète. T'as le droit de demander. C'est sale, on voit rien. On fait un brin de ménage. Ok. Alors, tout d'abord, la partie haute. Allez, là-bas. Plastique. Ramasse vraiment le plus gros. Parce que là, on voit rien de ce qu'on fait. Bah parce que tout le monde me disait qu'il n'y avait pas de boulot en archéo. Donc arrivé en terminale, je fais bon d'accord, je vais faire prof. Et finalement, bon non. Enfin je me suis planté en voiture et donc ça m'a fait redoubler. Parce que j'ai pas pu passer les examens et tout. Je me suis dit oh bah tiens je vais changer de cursus. Parce que c'était une fac professionnalisante, donc tu faisais du stage dans l'année. En licence, c'était cool. Et donc j'avais fait, pendant 3 ans, j'avais fait enseignement et compagnie et des stages à droite à gauche. Puis j'en avais fait pour moi aussi de mon côté, à droite à gauche pour essayer. Et finalement, bon, je me suis dit fuck, je change de parcours, je prends un métier du patrimoine. Donc là j'ai fait guide et tout ça, puis j'étais déjà guide dans un musée. En Mayenne ? Ouais, à Robert Tatin, super musée d'art naïf brut. Voilà. C'est ultime trop cool, hein. J'adore ce type. Et après, bah, une fois que j'ai eu ma licence, je me suis dit, bah allez, go archéo. Et j'ai cherché toutes les facs. On m'a proposé préhistoire à Nantes, protohistoire à Paris et je sais plus quoi ailleurs. Et finalement, bon, ça s'est pas trop mal passé, mais j'étais pas un foudre de guerre. Parce que je partais enfin de la Mayenne aussi, donc j'étais pas d'une assiduité croissante, on va dire. J'avais enfin la paix. J'étais plus avec mes parents ni rien, donc ouais, j'ai mis du temps à me mettre à bosser en fait, tout simplement. Parce que j'ai jamais rien foutu jusqu'à... Enfin, je bossais le jeu la veille pour le lendemain jusqu'en master en fait, donc... voire même au master 2. Bah... Ouais, j'ai réussi à apprendre à faire un calendrier, à faire toute une démarche. Mais en fait, c'est parce qu'avant, c'était pas pour moi, quoi. Et une fois que j'étais un peu plus motivé, bah bizarrement, là, t'arrives à te faire un calendrier, à faire toute une chaîne opératoire, quoi. Donc c'était plus intéressant. Et voilà. Et depuis, bah, j'alterne à chaque fois que je me décide à faire que prof, et bah, on vient me chercher pour de l'archéo. Et quand je veux faire que archéo, bah, on vient me chercher pour prof. Donc, à peu près ça. Ouais, mais c'est chiant, c'est trop... c'est pas très stable, ça me saoule un peu maintenant. Quand même. Parce que franchement, en fouille, tu tombes sur des solennes, t'as la flemme. Moi, abuser, c'est pas du tout mon genre. C'est que je suis stressée en plus. Ah bon, mais non, faut pas.
Surtout avec moi, faut détresser. Ouais. Je mange personne. Qu'est-ce qu'elle est partie faire, Morgue? Pardon? Est-ce qu'on a des masques à poussière? Certainement. J'imagine. Dans mes souvenirs, fut un temps. Qu'est-ce qu'on a des masques FFPR? Je pense qu'il y a le Covid. Ouais, je pense. Ah, c'est toi qui as la GoPro? Ouais. Ça va être ton tour après, derrière. Je m'en fous, je vais leur dire que c'est... Ouais, ouais, c'est ça. On s'en fout, c'est pour ils veulent plein de portraits de gens qui sont en archéo. Ils s'en foutent. C'est bon là. Hop. Est-ce que d'ici 10 minutes je peux venir poser une grosse boule de ce côté-là? Bah ouais. Nice. Ah, c'est dommage qu'il y avait personne qui fouillait hier, parce que moi je me suis mis du petit cristal castel. Cette petite compile. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le droit de mettre de la musique, ça franchement. Ça dépend des chantiers. Ouais, voilà. Bof, quand t'es tout seul, ça va. Mais j'avoue, quand t'es en groupe et tout, et qu'on t'appelle, machin... D'un côté, je peux comprendre... Mais avec une équipe sérieuse, je peux... Ouais. J'ai pas trop d'avis sur la musique, j'avoue. Hop. Panaï. Je suis désolé, je vais taper à la pioche. Je vais arriver t'emmerder. Sorry. Solène, pareil. Désolé. C'est pour que tu puisses poser ton moyen boule, justement, derrière. Attention.
Voilà, c'est bon. Merci. JB, on est d'accord, quand j'ai du mobilier qui est aussi sous une autre couche, je ne touche pas. Je sais pas trop, attends, j'arrive. Tu disais. Là, j'ai un gros nanos. Ouais. Mais il est aussi en dessous, quoi. Donc, est-ce que je... Tu dois suivre quoi? Je dois trouver cette... C'est la même ici? Il me semble, ouais. Ouais, c'est... il y a les mêmes inclusions, ça doit être quasi... C'est un peu graniteux. Ouais, tu t'arrêtes dessus et là, tu le laisses, ouais, il est bien. Ok. Fais chier personne. Ok. Merci. Ok, par contre j'ai plus de sous. Morgue. Ah. Allez, 1, 2. Quelqu'un a un sou à emmener ou pas? Quelqu'un quoi? Ah, tu veux un sou? Ouais. Comme ça je te le donne. J'ai oublié que c'était des caillasses. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'en avais manqué. Ah oui. Ça fait rêver, non? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ça va finir dans une boîte étudiée par personne. Tiens, il y en a un à Armand et un à nous. C'est sûr, je le jette. Hop. Hop.
On va ramasser le gros, le gras, le velu. Puis on verra après. Je pense qu'on va se mettre tous les deux à gratter vers le bout là pour bien l'avoir un peu pareil. Puis voilà. Mais tu dis que tu la vois pas, mais n'empêche que toute la bande que t'as fait, tu l'as très bien trouvée. Hein, donc. Bah si, c'est vrai. Ah, attention, il y a un petit bout de sérum là, si tu veux le prendre. Ah ouais, vas-y. Ah, il va falloir reconstituer le vase, hein, vraiment. Ben, c'est jamais. C'était vraiment pas profond. Hein, voilà. Ah, je vais peut-être rapprocher là. Ouais, le petit sachet. Oh, petit galet. Hop. On garde les petits galets. Ouh, normalement, non, mais bon, il n'y a rien. C'est tellement beau que. C'est ça, voilà. Bah, en fait, ça dépend s'ils ont, ils ont pu peut-être servir. Et lui, j'avoue, il est seul tout dans du truc où il y a du mobilier alors qu'il n'y avait rien au-dessus. Dans le doute. Bon. Il est très beau le clou qu'on a trouvé. C'est un très beau clou. Merci à toi. Hop, hop. Ça, c'est la caillasse. Soit caillasse, soit à terre. Soit à terre. On a compris. Bah viens, limite, ouais, non, plus rien. J'ai rien dit, excuse-moi. En plus, t'es filmé, hein. Non. Normalement, c'est devant moi que c'est filmé. Je fais exprès, justement, de pas trop relever la tête pour pas que les gens qui veulent pas l'aient pas. Et du coup, tu fais quoi après la fin? Je rentre chez moi à Paris. Je m'occupe de mon chat. Bon bye. Je pars en week-end avec deux copines dans le sud pendant 4 jours. Et après, je rentre à Paris et j'espère que j'attends ma meuf qu'elle rentre dans le mois d'août, normalement. T'habites à Paris même ou... Alors, plus maintenant, je suis à Villejuif. Villejuif, ok. Bon, c'est nul, il n'y a aucun intérêt d'habiter à Villejuif. Voilà. 94, ouais. 9-4, 9-4. Non, non, c'est nul. Il n'y a pas trop d'intérêt là-bas, mais bon. Tu as l'air bof emballé. Bah ouais, c'est chiant, c'est nul. Enfin, quitte à vivre juste à côté de Paris, autant vivre dans Paris. Voilà, c'est un peu ma logique, sinon je me casse de ville, quoi.
Après, ça dépend. Peut-être à Béfus, tu peux avoir un pavillon et... Ouais, c'est ça. Mais moi, non, je suis pas du tout banlieusard. Moi, c'est la vie que j'exècre. Je veux pas devenir comme ça, du tout. Mais chacun son kiff, hein. J'ai plein de potes qui le font et au contraire c'est super pour eux. Mais non, moi c'est pas mon style de vie, je veux pas être comme ça. Soit un appart en ville, soit rien. Soit okay. Je me casse. Tout la petite maison avec la... Oh non, l'entretien. Le ah ouais non, voilà, c'est ça, le classique shit, non, c'est pas trop pour moi. Mais après, ouais, encore une fois, quasiment toute ma famille elle est comme ça. Mes frères, beaucoup de mes potes, et voilà, et c'est super, hein. Je suis content d'aller les aider et de faire soirée chez eux, mais ouais, non. Moi, je préfère avoir un petit appart et me casser avec des grandes bibliothèques partout, et puis me casser en week-end, en voyage, et chiller la vie. Sans se prendre la tête. Des déroutes. Pose-les là, on va essayer d'en récupérer parce qu'il faut arrêter les conneries là. Tout le monde a pris des 100 000 sauts, nous on en a que 4. Donc, bon, vu la quantité qu'on a enlevée, je crois que. Voilà, quoi. C'est pas d'une clarté totale hein, vers là-bas. Hein. Faudrait juste passer un petit coup de balai vite fait pour enlever la merde où il a, parce que sinon on va se faire défoncer par Anne, et a raison. Et après, on va recreuser, on va regratouiller vers le bout pour trouver la limite. Parce que sinon, en fait, on va retasser en dessous nos pieds, là, et bon, j'ai un peu la flemme. On fait jamais assez propre, hein, clairement. Le balai, c'est ton meilleur ami. Des chantiers. Ouais, j'arrive. Je finis juste mon petit carré. Tu vas détester de travailler avec moi. Hein ? Tu vas détester de travailler avec moi. Pourquoi ? Ouais, je pose trop de questions. Mais non, on s'en branle. Moi aussi, je pose des questions. Je demande tout le temps à Elsa et Sandy ce que je dois faire. C'est normal de poser des questions. C'est inquiétant quand on pose aucune. Au contraire. Par contre, moi, j'ai fait des trous de taupe. Va falloir que je lisse tout ça aussi. Ah, il y a des kilos de terre, là, j'avoue. Hop. Alors, hop. Voilà, on voit vachement bien en fait. Effectivement, ça c'est plus sec. Tiens, viens. Hop, comme ça on la regarde vite fait. Ouais, donc tu vois là le jaune, je pense qu'il faut encore... Ouais, un petit peu. Et là, bah, à mon avis, ça doit s'arrêter quelque part par là. Ok. Donc essayer de faire une passe à plat là, comme ça. Tu sais, tu t'arrives à peu près à ce niveau-là, tu lisses pour enlever les... Ouais. Même s'il va rester du trou, hein, mais... Essayer de lisser un peu, je pense qu'elle est juste en dessous. Ça marche. Pas très profond, mais ouais, je pensais ça, et puis bah on va continuer à faire ça ici. Sans taper trop fort, je pense que là, ça va être fini la pioche pour la partie vers... Ouais. Vers Fafa. Ça marche, fais noter. Oui. Non, mais c'est bon, on est à notre couche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, tiens, tu peux venir voir, là, je nettoie en bas. C'est bien. Ouais. Bah oui. Ouais, ça va être chiant pour toi. T'aurais dû prendre une petite pelle. Déjà deux. Voilà, ça se va, ça, c'est pas encore trop chiant, mais il y a aussi des mini-pelles qui font un tiers de ça. Tu fais tomber, tu mets dans le trou là, tu ramènes tout et puis tu mets ta pelle sur le côté, bam, puis ce sera très bien. Et après... Mais je sais pas si après je passe un peu la troupe ou pas, c'est assez dur, mais... Je peux ? Ouais. En fait, une fois que tu t'auras ramassé ça, tu fais ça. Ah, des pierres, comme c'est propre, comme c'est beau. Voilà, tu fais ça comme ça. Ils vont faire, waouh, c'est trop bon. C'est trop bien gratté et tout, alors que pas du tout, voilà. Puis ouais, voilà.
Bah, t'enlèves juste la petite, les deux trois petites mottes là, tu sais, le genre de bail, mais voilà. Okay. Et pour voir où c'est qu'il y a, bah le problème c'est que vu que t'as de la poussière, faut quand même que tu balayes un peu avant. Voilà. Mais commence par ramasser la merde là, ouais, t'as raison. Sinon c'est très beau. Ouais, morgue, c'est ça. On y est, ouais. C'est cool. Hop. Je le mets juste ici. Vas-y. Comme ça, je me mets à côté de toi. Décale. Tranquille. Hop. Tu sens la différence ou pas avec cette couche? Ouais. Celle-là est plus argileuse. Ok. Celle-là est plus granuleuse. Alors bah tu t'arrêtes vraiment contre. Tu vois, tu fais peut-être un truc comme ça pour pas descendre à l'intérieur quoi. Donc là, c'est niveau, c'est bon. Ta granuleuse, elle est au-dessus ou en dessous, tu penses? Je pense qu'elle est au-dessus. Mais... D'accord. Et bah alors, tu t'arrêtes comme ça contre, ouais. Pour montrer que c'est contre, justement. Tu vois, genre, tu fais un tout petit replat comme ça. Okay. Comme ça, en plus, ça évite de confondre. Ça marche. Vas-y. Donc là, j'y touche plus là, cette ligne. Bah, tu. Non, voilà, tu fais propre et on va. De toute façon, au pire, ils nous rediront comment ils veulent qu'on fasse. Voilà. Quand t'es pas sûr, tu fais propre. Tu vas à l'essentiel, c'est-à-dire trouver ta couche grise et après. Tu dis oui, je détournerai après, plus tard, pour voir si. Voilà. Ah, là encore. À mon avis, c'est la terre des rocailles qui. Okay. C'est de la merde. Oula, c'est sableux là. Oh là 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 là. Ça t'a pris longtemps à arriver à distinguer les couches et tout hein? Oui. Okay. Et même maintenant, je les vois pas toutes. Hein. Puis ça dépend de la vision de chacun. Enfin, certains ils voient des trucs, d'autres pas. Elsa, elle voit toujours des couleurs que les autres voient pas. Oh, c'est l'enfer. On va pas plus profond, hein. Reste là. Voilà. Touche-y plus. Par contre, tu peux reculer et follow. Moi, je vais essayer de te la suivre aussi. C'est quoi ce délire? Il doit être du gros caillou cassé. Voilà. Non, mais t'inquiète. Oulala. Attends, je repars. Non, Guillaume.
très pratique les petits cailloux là. Ils ont du niveau. Ouais. Bah là, ouais, tu y es quasiment, non? Bah ouais, je suis ce caillou. Même pas, je pense que tu peux te rater dessus. Je pense en effet c'est pas la même couche, mais ouais non, laisse l'argile. La noire, elle est en dessous. Là. Essaie de la suivre un tout petit peu en reculant. Et si tu vois qu'elle. Bah, j'ai l'impression qu'elle est en dessous. Ouais. Et bah alors tu restes à plat. Okay. On refera une passe, je pense. Si elle penche beaucoup. Ah, elle est là, ok. Tu restes à plat. Bah, tu restes à plat, tu suis vite fait. Là, il y a un trou à cause d'une pierre, mais reste sur ce niveau-là, quoi. Ouais, ça, tu vois, tu peux raboter un peu, tout petit peu le dessus, mais c'est tout, quoi. Et encore, en vrai, là, il n'y a même pas besoin, parce qu'en fait, on voit justement que c'est une autre couche. Donc, laisse-la apparaître, justement. C'est pas un gros gênant. Ah, c'est la grise qu'on veut. Oh, je sais pas ce qu'ils vont me dire. On va voir après. Bon bordel, qu'elle est bordélique cette couche. Elle se barre en cacahuète. Je ne sais pas. Une démolition, une construction, un truc pour stabiliser. J'en sais rien, je connais rien en bâti. Ah non, non, tu le grattes pas. Hein. Ouais. Tu balayes juste. Tant que ça tient, ça tient. Ouais, tu vois, t'enlèves le plus gros. Et même maintenant, tu vois, j'utiliserai que le pinceau et le balai. Pour enlever le plus gros. Celui-là, c'est déjà propre, hein, quasiment. C'est vraiment la terre, hein, pas le mortier qu'il faut enlever. Ok. C'est l'enfer. J'aime pas cet endroit. Elle est chiante à trouver. Ça y est, je l'ai. Mais elle est tellement prise dans des caillasses que tout vole et c'est pas droit, c'est moche. Je me demande si je pourrais laisser. Non, je lisse pas. Et puis voilà, j'assume. J'ai fait de la merde.
Jamais debout les manches. D'accord ? Parce que sinon, tu t'empales dessus. Alors, est-ce que j'arrive à la follow sur le côté ? Voyons voir. C'est moi qui viens de la pousser. C'est donc que quelqu'un voulait nous lapider ? Non. Repart d'ici. Ok, ça marche. C'est ça qu'on va défoncer, mais on va le faire à la pioche. Bon, à la limite, c'est bien. Hein. Parce que là, maintenant, on va la suivre super simplement. Il n'y a plus les caillasses, donc voilà. Allez, à toi. Si t'as peur de trop taper, machin et tout, tu peux faire au piochon. Bah, on va se faire une chaîne. Ça te va? Ouais, c'est encore jaune. Hein. La libellule était comment là, la couche de cuivre? Où? Ah putain, il y avait du. C'était de l'arène granitique, non? Je sais plus. Jaune argileuse, ouais. Franchement, comme ça. Comme ça, là? Non, comme. Un peu comme si tu étais sous tes pieds dans le coin. Sauf qu'il n'y avait pas les tirs d'aigle dedans. Oui, ça ressemble à ça. Ouais. Mais entièrement pas de terre avec, pas vraiment jaune orangé. Ouais, c'est ça. C'est ça.
C'est vrai que Bérénice, elle est moche. Non, c'était comment qu'on avait... Géraldine, elle est moche. Tout de suite, des jugements de valeur. C'est trop proche, hein. Rien demander à personne. Hein. Non, mais elle est remplie de scories. Il y en a qui trouvent que c'est super. Oui, elle est scoriologue, mais c'est... Parce que toi, tu veux ça, la beauté de la scorie ne, ne te parle pas. Non. C'est ça. C'est quoi, pour toi c'est bon ? Oui, c'est un peu intérieur. Hein. Alors, oui, mais là tu vas te rajouter du boulot parce qu'en fait t'as tout fait tomber au fond de la truc et c'est l'enfer. Non, c'est... Quand tu balayes, tu te mets comme ça, en fait. Et tu fais juste... T'as pas besoin de faire ça, parce qu'en fait tu creuses quand tu fais ça. Bon. Tu vois là, ça enlève les trucs, toc toc. Et si tu vois que ça creuse, bah t'arrêtes. Comme ça. Ça marche ? Je t'en prie. Mais non, c'est très bien. C'est propre. Elle est différente de chez vous. On se fait des chaînes, morgue. Tu vas mourir à tout porter. Bon, tranquille. Bah oui, mais bon. Ouais, j'arrive. On va arrêter là. Ça suffit. C'est mignon, mais on va arrêter les conneries là. C'est ça. Attends, j'arrive. Alors, ouais, vraiment là. Ok. Tu me défonces la motte. Ça va. J'enlève juste ça. Et je te laisse la place. Et tu verras Solène. Il faut lui dire avec amour, du genre Solène dégage. Je dégage ? Ouais. Regarder. Ah oui, d'accord. Oui, bonjour. Pourquoi vous voulez enlever les pierres de Solène à la pioche ? Ah non, je veux pas les enlever. Alors, du coup, j'ai pas pu faire la propre de ce côté-là parce que le dentier est très très fragile. Vraiment, ça t'occupe beaucoup. Je ne voulais pas t'assumer les pierres. Bah ouais, justement, je vois pas où on peut se tirer. À part là. Et tu vois, rien. Bah, on peut pas les pousser vers nous et puis. Ouais, ils sont très enfants. Ouais. Bon bah en attendant on fait propre hein. On va pas rester à glander, puis on gratouille. Ça fait rien, c'est un peu grand. Parce que de l'autre côté j'ai la pierre qui a son volant. Oui bah ça c'est la fondation. Et quand on voit bien, si tu veux... Là, tout ça, ça passe pas. Ah bah oui, oui. Il y a juste tout cette partie en fait, ça part vraiment. Il faut que je continue quand même. Non, ce que je veux qu'on voit, c'est vraiment. Désolé, on t'en remet au fur et à mesure. Falaï. Ouais.
Il a 30 ans. Donc ça se passe avec ça. Donc effectivement, elle a un mort un peu bien, je suis bien content. Donc elle a l'air de mort. C'est bien, hein. Et je veux savoir, enfin, là, ça me fait un peu mon contact, évidemment, oui, c'est bien, hein. Je trouve que c'est toi. On va remettre un coup de machin. Oui, il faut qu'on voit bien. Donc, sans en enlever, évidemment, trop. Il faut qu'on arrive à bien voir les jonctions. Ici. Okay. Hein. Et pareil de l'autre côté, si tu peux gratter un petit peu plus. Peut-être pas. Hein. Il ne faut pas hésiter à bien marquer les fers. On voit bien si là on a un arrêt de mur. Tu vois, comme là on a l'impression qu'en fait on a bien deux arrêts de mur et qu'on a une entrée. Et que ça a été bouché à un moment donné. Et donc on voit bien la différence. On va démarquer. Et après, on va pouvoir relever ça. Effectivement, on va faire que je prenne une petite feuille. Je grappe ce que tu as vu. En fait, je crois que je vais filer. Ah. Je file de la figure. Donc je pense que tu peux vraiment faire les angles pour qu'on voit bien de l'autre côté là peut-être. Peut-être que ça aide bien parce que c'est alors. Bien enlever la terre pour bien donner un bon petit voilà. Hein, qu'on voit bien, après tu donnes un bon petit coup de bien efficace ça, et qu'on voit ce voilà, là par exemple. Je pense qu'on a des choses. Du coup, on va voir ici en grattant si on a bien un parement, pas quoi. Et effectivement, c'est pas trop enlever ça. C'est ça, c'est le matériel qui est là, qui est différent, c'est moins solide. Il ne faut pas l'enlever. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, on arrive à voir peut-être quelque chose. Okay, ok, tu vois. Et alors, est-ce que ça, là, c'est du mortier aussi? Il ne faut pas l'enlever. Oui. D'accord, mais c'est pareil. Alors, tu fais d'abord le mur et ensuite, après, tu nettoieras ça. Ça va être le même que celui-là. Sans doute, sans doute. Voilà. Ok. Je vais quand même passer par là. Alors ça, tu vois, je pense que c'est pas du mortier. J'ai l'impression que c'est de la jaune encore dessus. Tu vois là, la différence de couleur entre celles. À mon avis, c'est pas le mortier. Hein. C'est ça, je te verrai quand ouais. Oui, bonjour. Pour une expertise. Hein. Bah non, mais on attendait que vous ayez fini pour taper à la truc. Donc t'as... Ouais, bah t'as pas la... Si, t'as... Ah, bah, si, tu l'as là. Si, c'est la grise, elle est tout là. Ah, super. Mais par contre, il y a de l'argile... Ouais, disait là, il y a un truc argileux le long de... Donc on le laisse plat, là, comme ça. Bah, tu peux aller... Tu peux tester jusqu'à la coupe, voir si ça plonge. Ah oui, ça plonge. Voilà. Et puis bah, tu le marques là, puis après on verra. Ok. Voilà. Donc en fait, il y a des cailloux partout, Falaï. Ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est bien, c'est chouette. Bon, bah, très bien. Donc là, tu vois que vous reculez, vous. Ouais, c'est ça, mais on va dégager tout ça. Deux secondes pour oui, c'est pour qu'elle tape, justement. Yann, dessous, on... Hop là. Voilà. Quand ça part, on va prendre... Non, ça... Je préférerais... Ouais, bon, on va faire une évacuation par là, avant que tu tapes. Bah, ouais.
marqué que c'est en rouge et que... Voilà. Je pense clairement ça finit. Je crois. À mon avis, là, de ce côté-là, ça va être trop difficile. Et puis on va te remettre. Voilà, donc on va arrêter ça. En revanche, je veux bien que tu grattes. Gratte là, le mur. On voit bien ce qui se passe. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est si le niveau d'un caillou là, il passe dessous. Et il s'arrête très bien là. Donc là, il faudrait que tu ailles juste là. Vraiment, parce que c'est ça. Tu dégages bien, donc on voit bien ça, on voit là bien ce petit coin là. C'est toi ? Oui. Je vais peut-être te mettre dedans, mais j'ai peur de changer le pied. Voilà. C'est bien, c'est bien. Celui-là, t'en fais mieux. Ah, une activité favorite de tout le monde. Attention à toi, prends ton temps. Et quand tu vois plus rien, tu me le dis. Là, ouais, c'est plus... Il y a moins à enlever, normalement, par là. Je pense qu'il y a quasiment... Ah, ça va, le niveau ? Bah, tu restes à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. On va déjà enlever la motte, on verra. En fait, dégage-moi déjà la motte, quoi. Celle-là ? Bah, ce qui fait ça, là. Okay. Voir un petit peu là, peut-être. Voilà, c'est tout. Ça va. Après, on fera. Alors là, on a la grise, mais là, on l'a pu. Elle doit plonger pas mal. Au milieu, et puis ressortir là-bas, quoi. Je sais pas, je suppose. C'est quoi ce bordel, là ? Le dernier il était plein, non? Le dernier était plein et je crois que... Ouais, on en fait. Ouais. Bah... Est-ce que ça va servir pour... Y'a pas que ça. Ah, y'a là. Tout ça. Thank you.
Bon bah clairement elle plonge. Voilà. Oui. Je trouve pas qu'on dirait que cette pierre, elle est prise dans le mur directement. Je sais rien, je vois rien. Monte laquelle? Celle-là. Ah, attends. Celle qui est où? Bah si, oui. C'est le mur? C'est bien ça. C'est l'inverse de ce que pensait Anne. De quoi? Qu'ils ont bouché? Ouais. Ben, on dirait que la pierre dit-tu, elle est posée dessus. Mais pour ça, faut que tu passes un petit coup de balai sur les jointures. Parce que là, on voit pas si c'est le même mortier ou... J'arrive, hein. Je finis de faire propre ici pour que... qui a des trucs, qui a de la terre, que ça tu peux le mettre dans le sachet. Ok, parce qu'il est... Donc on a bien une couche argileuse qui se pose sur la grise quoi. Mais ça tu l'avais vu aussi. Tu veux un saut? Oui. 1, 2, 3, 4. Mais quelqu'un qui te l'a embarqué. Pourrais-tu me donner le balai? Oh là là, je suis en difficulté moi aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est gris ça là au fond, non? Bah, en fait, ça m'a l'air d'être la même couleur que celui-là. Bon, bah, c'est qu'on l'a. Donc, on l'a bien jusqu'à la coupe, tranquille ou pépère. On voit qu'elle plonge, blablabla. On avait demandé Anne. Voilà. Oh le caillou! On a dit qu'on laissait donc en caillouti. Okay. Bah ça marche là, non? Ouais. En tout cas, toi, ta partie, elle marche super bien. La mienne, elle marche moins là. Mais... Plus ce bordel. Après, la partie, elle est vraiment plus longue de 2 cm. Non, ouais, mais c'est pas une raison. Hop. Et puis bah voilà, on va s'arrêter sur cette argileuse, hein. Ça va. À peu près en niveau. On va faire une passe à plat déjà, parce que derrière nous c'est beaucoup plus épais, donc on verra. Ouais. Mais il y a moins à enlever, tu m'as dit. On veut dire. J'espère en tout cas. Parce que ce petit coup, ça a l'air un peu imprévisible. Oui, ça a l'air. Bon, je vais essayer de faire la dernière bande là. Ce serait bien qu'on ait le carré là. Ouais. Et qu'on puisse le follow après jusqu'au bout, quoi. Qu'en penses-tu? Suceuse. Oui. Suceuse. Bah écoute, on est parti pour passer la matinée ensemble. Donc. Et merde.
Non, bah c'est pas mal. On a réussi, Morgue, on a réussi à la trouver. C'est pour beaucoup. Bah oui. Félicitations. À nous deux. J'arrive pas à savoir. Ce que c'est ? Enfin, quelle partie de la céramique ça correspond ? Peut-être un os pour moi. Ah, c'est un os, tu penses ? Je sais pas trop. En fait, faudrait nettoyer la tranche pour voir, mais c'est vachement léger quand même. Ah, quoique. Enfin, je sais pas. Si, non, ça peut être aussi un col ou. Ok. T'as des stries. C'est toi des spécialistes en céramique. Ouais, mais là, je vois rien. Enfin, c'est trop sale. C'est lourd, mais. En tout cas, c'est moche. Quand même. Oh! Donc là, on met à plat. C'est ça? Alors, les deux seaux, tu les recules derrière toi? Ouais. Voilà. Tu nettoies là, moi je vais retaper un tout petit peu pour faire un semblant plat, mais en suivant le gris là, on l'a quasiment donc ça va. Et là, je viens à ton niveau ici, voilà. La poche argileuse là. On la laisse. Voilà, mais par contre on, bah en fait on va s'arrêter ouais à ce niveau là à peu près en hauteur. Enfin, on va continuer, mais là c'est déjà propre donc on a quasiment pas à taper ici, juste un peu gratouiller. On va essayer de suivre la grise. On a la vie, la grise elle plonge comme ça, tu vois. Ouais. Il doit y avoir la poche argileuse là. Là, pareil, je vais gratouiller, mais pas très profond, parce que à mon avis, c'est pas très profond. Et après, bah, on va toc, 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 toc. La grise, elle est juste en dessous ça. Donc, okay. Donc ça doit remonter tranquillement après. Ça marche. Mais déjà, ouais, nettoyage, propreage. Ah, tu l'as prise. Ok. Je pars deux minutes si vous voulez faire le truc là où vous voulez que je me pousse, non? Là, ça ira, je pense. D'accord. Merci. Allez-y, très cher. Cette meute, là, j'essaie de la mettre à niveau un peu. Non. Non? Ok. Tu peux suivre. En fait, je serai toi, je partirai d'ici, tu vois, tu recules, toc 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 toc. Et dès que tu arrives sur l'argile, bah tu fais un petit truc comme ça, tu vois. Ok. Pour montrer que c'est différent. Voilà. Ça marche. Donc elle plonge en dessous. Parce que là on voit qu'elle plonge en dessous. Voilà. Tu vois là c'est bien propre. En plus ça va être plus facile à nettoyer. C'est vrai. Ah voilà, tu as ta réponse. Merci bien. Ah ouais, elle est vraiment jusque là, la truc d'argile, tu penses? Nettoie, hein. En vrai, nettoie toute cette zone-là, sinon on voit pas trop. Je pense. Ah ouais, ok. Il doit y avoir un peu de démolition là-dessus. Et ça doit être de l'argile à mon avis, juste en dessous, ouais. Tu vois, tu la follow assez simplement. Ah, 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 ça commence à s'atténuer. Ah, voilà, mon dieu, la couche grise. C'est ça. Donc tu fais ça. Ça marche. Et à mon avis, ouais, ça, tu... Ah, quoi que, je sais pas si ça s'enlève. Si ça s'enlève pas, laisse-le comme ça. Contourne-la. Et hésite pas à faire souvent propre, parce que sinon tu vas pas voir ce que tu fais. Vas-y, enjambe-nous, on dira rien. J'essaie de pas mettre les pieds parce que vous nettoyez déjà.
Oh, la grosse boulette d'argile, moi aussi. L'est-il? Regarde. Quoi? C'est très très joli. C'est très beau. Mais j'aurais pensé alors que c'était bouché. Mais si t'as cette partie-là, et après ça s'enchaîne sur une assise de pierre. Donc c'est pas du remblaiement. Donc c'est que cette structure, elle était déjà là, non? Ils peuvent l'avoir bouché en effet, ça paraît différent avec le reste quand même. C'est le même mortier entre les pierres? De toute façon, celui qui est de ce côté-là, c'est pas tout à fait le même que celui-là. Ça se trouve, ils ont juste rebouché. Hein. Ils ont trouvé des pierres qui rentraient à peu près, puis tac, tac, tac. Ouais. Oh. Ça paraît bizarre parce que ça rentre dans le mur. Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. Je vais te dire un truc, mais c'est sûr que je me plante totalement. Donc là, pour le coup... Elle est là, ouais. Tu peux même la rendre un peu plus abrupte, tu vois, comme ça. Okay. Ça, on la voit vraiment, 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 vraiment bien. C'est beau ce que vous faites. Oh. J'ai une petite motte, là, ça me fait. C'est toi la motte. Quoi? Une motte de beurre, alors, j'espère. D'accord. C'est ça? Ouais. Ok, je vais faire un truc. Je pense. Allez. Et moi je me rends compte que ça aussi c'est de l'argent, donc j'essaie de la contourner aussi, tu vois. C'est un caillou pris dans l'argile. J'enlève tes coudes de pioche, ça fait moche. Voilà. T'effaces mon œuvre? Non. Vraiment? Je l'embellis. C'est totalement différent. Et le couvercle, ils sont bien, on garde ou pas? Ils sont vraiment beaux, ouais. Où est mon balai? Je suis pas là, j'en ai vu. Ah bah voilà. Voleuse! Je savais pas que tu avais un balai attitré. Non. Absolument pas. Sauf pour Anel. Non. Y'a que les chefs qui ont le droit. Il est. Alors, 8h30? Tu vas en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? C'est parti! T'es où ça? Hein? Au milieu, dans l'angle, là, tu vois? C'est quadrille, quoi. Okay.